Bonsoir à tous. L'appel, la commission orientation organise cette conférence. Donc après ce film, nous vous invitons aujourd'hui à écouter, regarder et, avec beaucoup voilà. La conférence est organisée donc par l'appel et nous avons invité le groupe INSA. Aujourd'hui, nous avons donc Claire Lesky et Alain Boyer. Alain Boyer de l'INSA de Toulouse et Claire Lesky de l'INSA de Lyon qui vont vous expliquer un petit peu le déroulement des études, mais aussi l'admission, puisque je pense que tout le monde est particulièrement intéressé pour intégrer l'INSA de Lyon, Toulouse ou autre. Donc, nous les remercions encore parce qu'ils ont bien voulu répondre à notre invitation. Et nous les accueillons donc au lycée de Levavasseur. Alors, bien évidemment, durant le déroulement de la conférence, bien vouloir désactiver la vidéo et le son dès votre connexion. Vous pouvez, bien entendu, poser toutes les questions lors de la visio via le chat de Zoom. Et encore une chose, donc, la conférence sera enregistrée et mise en ligne sur YouTube. Bonne conférence et à tout à l'heure. Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je me présente, je suis Alain Boyer, je suis donc représentant du groupe INSA pour cette réunion. Je suis accompagné de Claire Becci, qui est elle ingénieure INSA et puis qui travaille à l'INSA de Lyon, qui s'occupe des étudiants de droit, qui est professeur de mathématiques. Non, c'est pas possible. Donc, et puis moi-même, donc Alain Boyer, je suis ancien directeur du STPI de l'INSA de Toulouse. Je suis mécanicien et je m'occupe de tout ce qui est recrutement du groupe INSA. Donc, il n'y a pas de problème pour répondre à vos questions si vous en avez. Alors, je vous propose de faire à peu près une petite demi-heure de présentation. Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, on va dire allez, une grosse demi-heure. Présentation sur un PowerPoint, après cette petite vidéo de présentation du groupe. Et ensuite, on répondra à toutes les questions. Peut-être ne pas m'interrompre pendant la présentation, hein, comme ça, ce sera peut-être un petit peu plus fluide. Et si vous préparez vos questions, on les lira au fur et à mesure et on fera des mieux possible pour répondre à toutes vos attentes. J'ai vu avec votre collègue au niveau des questions bien précises. Si vous avez vraiment des grosses questions, il n'y a pas de souci, je transmettrai mon mail et mon numéro de téléphone à l'organisatrice de cette réunion. Et je vous aurai en direct, ou ma collègue, donc Claire aussi, vous aura en direct. Nous sommes là jusqu'à vendredi soir pour travailler pour ça. OK ? Voilà. Donc, je vais essayer de manipuler tout ça et pour mettre le PowerPoint en route. Je partage l'écran. OK. C'est l'écran 1 ou l'écran 2 ? L'écran 2. OK. Je partage l'écran. Et donc, je viens là. Je ferme ça et j'ouvre le PowerPoint. Là, je vais mettre la présentation ici. Alors, par contre, il faut que je remonte. Voilà. Ce serait gentil de me dire si vous entendez ma voix déjà, peut-être, oui, c'est contrôlé. Et si vous voyez la présentation sur le groupe, c'est contrôlé aussi. OK, merci beaucoup. Vous êtes très bien organisé, ça me fait plaisir. Donc, voilà, c'est la présentation du groupe. Même si vous avez deux INSA qui sont devant vous, hein, qui sont l'INSA Lyon et l'INSA Toulouse, nous sommes bien sûr les représentants du groupe. Ce groupe, pour vous le présenter, alors, on ne va peut-être pas tout dérouler. Je pense que je ferai la présentation, je ferai la carte des écoles, je vous parlerai du modèle des études INSA. Je pense que vous êtes intéressé par le recrutement en première année, vous. Je pense que le recrutement STI2D, vous me dites, les parents d'élèves, s'il n'y a pas de STI2D, je pense à l'évaluateur. Donc, je ne ferai pas ça. Je vous parlerai par contre du recrutement de deuxième année pour votre projet professionnel, de troisième année, CPGE et hors CPGE, de vos chances de réussite, du coût des études. Et éventuellement, même je vous le ferai, si vous rentrez dans le cadre de la convention de diversité, comme vous avez passé un bac dans les
dans les DROM, on vous présentera cette convention. Voilà en gros la présentation. Alors, le groupe INSA, en gros, donc, c'est 18 000 élèves ingénieurs. 18 000 élèves en formation chez nous. C'est 2 000 de synthèse, c'est 1 000 enseignants-chercheurs, c'est 2 000 collaborateurs. Et c'est le chiffre presque le plus important, aux environs de 100 000 ingénieurs INSA dans le monde. Sur la Réunion, pour vous le dire à peu près, il y a 200 ingénieurs à l'heure actuelle du groupe sur la Réunion. Alors, en activité, pas en activité, en formation, mais en gros, 200 personnes. C'est 40% de femmes dans les bacs général en première année. Ce qui est énorme pour le groupe, c'est quelque chose de très, très intéressant. Et beaucoup d'écoles nous envient ce chiffre. C'est le premier réseau des grandes écoles ingénieurs publics en France. Voilà ce qu'il faut que vous reteniez. Ça correspond à peu près à 10% d'ingénieurs qui sortent du groupe. Alors, je vous dis à peu près pourquoi, parce qu'il y a de plus en plus de formations qui se font soit à distance, soit en apprentissage. On n'a pas tous les chiffres. Et donc, on est entre 8 et 10%. Voilà, en gros, ce que vous dire, un ingénieur sur 10 sort du groupe. Donc, voilà. Donc, le groupe, voilà où est-ce qu'il est situé. Si je ne vous dis rien, vous connaissez l'INSA Lyon. C'est celui qui est le plus vieux, 1957, et 6 000 élèves. L'INSA Toulouse, 1963, création 3 000 élèves, la moitié. Et puis les autres sont entre 1 000 et 2 000 élèves, c'est aux environs de 2 000 globalement. Centre Val-de-Loire, Rennes, Rouen-Normandie, Hauts-de-France, Strasbourg. Je vous parle des écoles partenaires qui sont intéressantes. Là, je viens de la SAIO là, depuis, il y a une heure, c'est parce qu'on a pris un petit peu de retard. Et il y a des étudiants je ne sais pas si c'est de Levavasseur, mais il y a eu des étudiants qui ont intégré aussi ces écoles partenaires. Alors, ces écoles partenaires, en fait, c'est notre pépinière d'écoles. Et simplement, elles sont un petit peu plus petites. Et elles ne correspondent pas entièrement au modèle INSA. Tant qu'elles ne correspondent pas au modèle INSA, elles n'intègrent pas le groupe. Et ensuite, dès qu'elles grossissent, elles intègrent le groupe. Exemple typique, Hauts-de-France a intégré le groupe en 2020. Il y a déjà 1 100 étudiants. Vous voyez ces écoles partenaires ne sont pas négligeables. Il faut les regarder quand même un petit peu. Volonté du groupe de ne pas aller sur Paris. Le groupe a été créé en 1963 par cette personne qui était un philosophe, qui a créé une école d'ingénieurs dans les années 60 et qui a dit « le territoire, il faut le mailler ». Et il est hors de question que nos élèves, nos fils de paysans qui sont brillants, nos fils d'ouvriers qui sont brillants, puissent aller, on leur enlève la possibilité de faire des études sur place parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller sur Paris. Donc, ce groupe a été créé avec ses valeurs et ses valeurs qui sont très ancrées dans le groupe. Alors, je vais revenir sur le métier d'ingénieur. Bon, vous n'êtes pas à l'interactif. C'est un petit peu dur de travailler là-dessus. Je pense que dans votre école, vous avez beaucoup de choses, ou d'entités qui vous permettent de savoir ce qu'est un ingénieur. Mais en gros, un ingénieur, cette définition, c'est la définition de la CTI, Commission des titres de l'ingénieur. C'est le style qu'il faut que vous regardiez, par contre. Je ne viens pas ici pour vous draguer, que ce soit très, très clair. Des étudiants, on en a trop, malheureusement. Mais je viens ici pour vous apporter de l'information comme il me l'a été demandé sur le métier d'ingénieur. Et je peux vous dire que ce sigle est le plus important. C'est le sigle CTI, Commission d'études d'ingénieurs. Ça veut dire que c'est une commission indépendante formée d'ingénieurs qui vont dire si une école est habilitée à délivrer le titre ou pas. Il y a de très, très belles écoles privées qui ont le titre d'ingénieur et qui sont magnifiques. Il y a de très, très belles écoles, privées ou publiques, qui se disent délivrer un titre, mais qui ne le délivrent pas. Donc, méfiez-vous de ça. N'allez pas mettre vraisemblablement souvent des royalties dans une école qui vous dit « Nous, on va vous donner ce diplôme d'ingénieur, mais il n'y a que nous qui le savons, que nous sommes ingénieurs. » L'exemple que vous connaissez le mieux, hors ingénieur, si vous voulez, c'est un médecin. Un médecin qui se dit médecin, mais qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale, il n'est pas remboursé. C'est lui qui s'est dit médecin. La même chose au niveau CTI. Alors, un ingénieur, c'est quoi? C'est une personne qui va travailler, poser, étudier, résoudre
de tous les problèmes. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, vous allez avoir un ingénieur derrière. Alors, ces problèmes, c'est des produits, des systèmes ou des services. Il va travailler sur leur financement, leur commercialisation. Ce n'est pas la peine de travailler sur un produit s'il n'est pas finançable et commercialisable. Par contre, maintenant, il prend en compte toutes les préoccupations livrées, enfin, protection de l'homme, très, très important, mais maintenant, protection de la vie et de l'environnement. Et plus particulièrement, le bien-être collectif. Donc, on a ces valeurs pour tous les ingénieurs qui sont formés dans la métropole, si vous voulez. Je pense que l'INSA a peut-être des valeurs un petit peu plus humaines, je vais vous en parler, mais sachez que la protection de l'environnement est vraiment fondamentale. Exemple typique, vous le voyez malheureusement, peut-être ou heureusement, sur la route littorale, c'est la protection de l'environnement qui coince à l'heure actuelle. Parce que le projet a été créé et on n'était pas allé jusqu'à l'environnement à 200% et c'est là maintenant que ça s'arrête. Donc, on est sensible à ça. Moi, je vous dis par exemple que sur Toulouse, on travaillait beaucoup dans le spatial, l'aéronautique. Avant, on ne se préoccupait pas du lanceur. Le lanceur, il partait, il y avait des débris, on ne s'en occupait pas. Ça retombait dans l'océan, on ne s'occupait pas des poissons. Maintenant, je peux vous dire qu'un lanceur, dès qu'il est lancé, mais toutes les pièces sont contrôlées au niveau environnemental et on ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Donc, la vision du groupe, en plus de ça, c'est que c'est un philosophe qui l'a créé et il a mis l'homme au centre du groupe, au centre. Il a dit, c'est bien d'être technicien, mais la culture et le sens de l'humain sont des valeurs fondamentales. Ça a été défini en 1962. Alors, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par qu'un ingénieur INSA, ça va être quoi? Ça va être d'abord un professionnel conscient de l'impact de la société. Sur l'impact de la société. Il va avoir, vous pouvez le tourner dans tous les sens. Au niveau orientation, on pourra vous dire ce que l'on voudra. Moi, je vais vous dire qu'un ingénieur, ça doit avoir d'abord un bagage scientifique d'excellence. Je dis bien scientifique. Maîtrise de la technologie de pointe, sens des valeurs, ouverture internationale, ça vous l'aura un petit peu partout. Pratique du terrain qui permet de s'adapter dans un monde en perpétuel mouvement. Ça aussi. On sait que nos ingénieurs, alors, il y a une vingtaine d'années, l'ingénieur restait dans une entreprise. Maintenant, un ingénieur, eh bien, il papillonne. Les jeunes sont des presse-boutons. On sait que là, vous connaissez mieux que moi la génération Z, etc. Ces ingénieurs, maintenant, on s'est aperçu qu'ils faisaient trois entreprises dans les 10 premières années de leur fonction. Trois entreprises et trois types de métiers. Donc, nous, on va vous former pour vous adapter dans ce monde en perpétuel mouvement. Qui c'est qui pouvait dire, avant la crise du Covid, mais que Zoom, on y serait nuit et jour dessus, qu'on ferait du click and collect, qu'on ferait du partage de ceci, du partage. Tous ces métiers-là n'existaient pas et nos ingénieurs, eh bien, ils s'adaptent et c'est pour ça qu'ils sont si demandés. Sa formation se préoccupe aussi de la diversité. On est venu à La Réunion pour la diversité. Diversité sociale, culturelle, de genre et de handicap. Chaque fois qu'il y a une différence, c'est clair, c'est une source de richesse. C'est une source d'innovation. Alors, regardez, 34% d'étudiants qui sortent. Je vous rappelle qu'il y en avait 40% en première année. Les étudiants, eux, réussissent mieux que les hommes. Alors, pourquoi on les a perdus? Mais c'est qu'elles ne viennent pas en deuxième année et en troisième année. On a un gros vivier d'étudiantes qui sortent du baccalauréat. Après, on a un vivier qui est un petit peu plus faible. On y travaille dessus, on ne sait pas pourquoi. Mais on a ce vivier qui a tendance à diminuer. C'est pour ça qu'on arrive à 34%. Et croyez bien que nos collègues des écoles, donc amis, nous invitent sur ce chiffre-là. 23% d'étudiants internationaux, 30% de boursiers aussi. De nos collègues nous invitent. 400 étudiants en situation de handicap. Moi, je suis enseignant de mécanique, par exemple, et j'ai enseigné pendant un an à un étudiant complètement sourd, 100% sourd. Ça veut dire qu'on avait quelqu'un qui était à côté de nous et qui faisait du langage des signes. 1200 apprentis, je pourrais vous en parler si vous avez des questions là-dessus. Et 1200 étudiants en filière sportive et artistique. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu pour être franc, pour vous apporter des informations, mais ensuite, vous choisissez, vous faites ce que vous voulez.
Là, il y a une différence, par contre, fondamentale entre le modèle INSA et le modèle classe prépa. Et je suppose que vous avez eu une formation avec les classes prépa encore ou pas. Je pense qu'ils les connaissent parce qu'il y en a une à l'intérieur de l'école. Donc, c'est connu. Donc, je vais vous en parler. Là, c'est différent. Là, bon, on ne peut pas. Qu'est-ce que vous faites en classe prépa? En gros, je dis bien en gros, hein, déficience fondamentale. C'est-à-dire ce triangle-là qui se dilue sur les 5 ans chez nous, mais vous allez le manger, ce triangle-là, sur les 2 premières années. En classe prépa, vous allez faire des maths, de la physique, de la chimie, un petit peu de français, après un petit peu de sport. Mais en gros, vous allez faire beaucoup de sciences. Nous, on en fait un petit peu moins en première année parce qu'on va les diluer sur les 5 ans. On va aussi faire un stage la première année. Vous allez voir tout de suite le monde industriel. Et vous allez faire, comme l'homme est au cœur de notre formation, des humanités. Vous allez faire des langues, mais vous allez faire aussi des sciences humaines du type gestion d'entreprise, du type comptabilité analytique, en fait, tout un tas de choses qui vont vous servir plus tard et qui sont en relation avec le milieu industriel. Vous allez faire 2 heures de sport obligatoire par semaine. Ce sport-là, ce n'est pas pour courir. C'est pour, on va travailler pédagogiquement sur ces heures-là. Quel est votre rapport à vous-même? Quel est le rapport que vous allez avoir avec les autres pour faire des sports collectifs, etc., etc. Donc, c'est rentrer vraiment dans la formation. Les 2 premières années, on va aussi rajouter des spécialisations. C'est-à-dire qu'on va vous aider à vous spécialiser, c'est-à-dire qu'on va vous aider à choisir la spécialité dans laquelle vous allez œuvrer plus tard. En classe prépa, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que bon, mais vous avez un certain nombre de concours et puis en fonction du nombre de concours que vous avez, vous allez avoir des écoles qui ont des spécialités. Si les spécialités sont larges, tant mieux. Attendez, si vous rentrez dans l'école polytechnique, ne vous posez pas de questions. Il faut y rentrer. On ne va pas regarder la spécialité que vous allez faire derrière. Si vous rentrez dans les écoles centrales, c'est la même chose. Mais si vous avez des écoles un petit peu moins cotées, là, la spécialité, vous êtes content d'en avoir une, vous êtes content. Vous avez en classe prépa, bien sûr, plus de places presque en sortie qu'en entrée. Mais toutes les écoles ne se valent pas. Voilà. L'INSA, le groupe, je sais que vous êtes très fiants parce que je vous connais quand même, hein, les enseignants, les parents de Levavasseur et les étudiants. Ça fait pas mal d'années que je viens vous voir. Je sais que vous connaissez. Je sais que vous regardez les statistiques, que vous êtes friands de tout ça. Vous savez que le groupe INSA se situe en gros entre la 10e école, si vous classez toutes les écoles d'ingénieurs, et on va dire la 50e. Sur les 250 écoles d'ingénieurs. Donc, on ne se compare pas, je le dis honnêtement, hein, on n'a pas à se comparer par rapport aux écoles centrales, on n'a pas du tout le même feeling au niveau des formations, on ne se compare pas par rapport aux écoles putings, à l'école putings, ce n'est pas du tout la même chose. Ce ne sont pas des décideurs à 100%, ce sont des gens qui vont travailler, qui vont monter dans les entreprises, mais voilà. Donc, ça, c'est une différence. Après, vous le tournez dans tous les sens, il faut 5 ans pour faire une école d'ingénieur. C'est 2+3 ou... Si vous avez la chance de rentrer en première année, vous faites les 5 ans sur ça. Spécialisation progressive du cursus, tout un tas de choix possibles tout au long du cursus. C'est vous qui allez vous orienter un petit peu. Il n'y a pas de concours pour passer d'une année sur l'autre, c'est un contrôle continu. Vous allez faire des stages en milieu professionnel dès la première année. Donc, à la différence un petit peu des classes prépa où les stages sont réservés aux années 3-4. Voilà. Donc, je pense qu'il y aura des questions sur ce slide-là. J'y suis resté un petit peu longtemps. Mais voilà ce que je vais vous dire. Alors après, le groupe, bien sûr, forme des ingénieurs dans tous les domaines. C'est ça la grande richesse aussi du groupe. Alors vous les avez là, biotechnologie, énergétique, génie civil, génie électrique, génie mécanique, génie physique, informatique, etc. À l'intérieur de ces 7 domaines, il y a 80 spécialités qui sont déroulées. C'est-à-dire que si vous faites, par exemple, on va prendre un exemple, je vais faire le grand écart, informatique. Si vous faites informatique à Lyon, ça va être assez généraliste. Si vous faites informatique à Centre-Val-de-Loire, je l'ai dit encore ce matin, les étudiants, ils sont arrachés à l'heure actuelle. Ils sont spécialisés dans la cybersécurité. Donc, les étudiants, leur prix de revient a été multiplié, enfin, ou leur prix d'achat a été multiplié par 3 dans la journée. Donc, beaucoup plus spécialisés, mais derrière le même mot, il y a des spécialités qui sont différentes. Il va falloir que vous rentriez un petit peu dans tout ce qu'est
Information sur la spécialité. Vous avez un double diplôme architecte paysagiste ici, et vous avez aussi un double diplôme réseau Sciences Po qui pourrait par contre vous intéresser. Rennes et Toulouse fait ce double diplôme très 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 demandé aussi à l'heure actuelle. Il a été créé il y a 2 ans. Nous sommes, on va dire, agiles. Le groupe INSA, on a cette particularité-là. Et là, on forme des ingénieurs qui ont le double diplôme Sciences Po et ING. Posez-vous la question, vous allez te comprendre très rapidement, quelles ont été les personnes qui ont décidé la nouvelle route du littoral. Et bien, à un moment donné, il fallait avoir une compétence aussi bien politique que technique. Et donc, ce sont ces personnes-là qui vont travailler dans des grands groupes, qui vont travailler dans des grandes administrations et qui sont déjà très demandées alors qu'elles ne sont pas sorties. Vous voyez ? Donc, ça, c'est Rennes Toulouse qui va le faire. Après, on se forme, on va dire, en gros, comme au lycée. Voilà. Ce sont des classes de 28 à 30 étudiants. On appelle ça, chez nous, des travaux dirigés. Il y a quelques cours en amphithéâtre, en gros 10 heures la première année, hein, 10-12 heures. Des amphis qui se font à 300, qui se font à 100. Hein, donc, et ensuite, la plupart du temps, vous êtes en classe, en petite classe de 30 étudiants. Vous avez pas mal de TP, ce n'est pas de la simulation, c'est vraiment des travaux pratiques pour des mises en situation. Et les étudiants n'aiment pas trop ça, on le sait pertinemment. Pourquoi ? Parce que la solution, ce n'est pas une solution unique, c'est une solution optimisée. Et ça, il n'y a pas une solution à un problème, il y a un ensemble de solutions. Voilà. Après, vous allez pouvoir, alors petite différence, je vous donne les différences, après ne prenez pas du tout mal les choses, je vous donne quelques petites différences et puis vous choisissez. Ma fille, elle a fait prépa, hein, comme j'étais à l'INSA, vous voyez, donc je suis très, très clair là-dessus. Il y a des filières à thème, c'est-à-dire que vous pourrez faire votre sport, votre musique, les théâtres, les arts plastiques, l'image, le son, la danse, même la première ou la deuxième année. Alors qu'on sait pertinemment qu'en classe prépa, bien, vous êtes obligé d'abandonner temporairement, mais d'abandonner quand même ces problématiques-là. Beaucoup de filières internationales. Beaucoup de mobilité, là, toutes les écoles le font, donc ne vous posez pas 36 000 questions. N'importe école que vous choisissez, vous ferez 6 mois à 1 an à l'étranger. Beaucoup de doubles diplômes, donc, qui se font, avec beaucoup de numérique qui se font, mais dû au Covid, ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Alors, je me sers de ce transparent-là que vous connaissez, mais je vais m'en servir pour vous donner quelques infos. Quand même. Premier cycle, c'est ce que vous faites si vous faites une CPGE. Nous, on appelle ça aussi premier cycle sur les 2 premières années. Et puis ensuite, la spécialité, si vous rentrez dans une école d'ingénieur, après une CPG. Mais si vous rentrez sur la première année, il n'y a pas de souci, c'est la voie royale. Par contre, vous pouvez rentrer en deuxième année si vous faites une première année de CPGE. On comprend très bien que vous avez une CPGE et sur place, que les parents qui sont là, qui se font un petit peu de soucis, mais préfèrent avoir leur enfant la première année avec eux, pour les suivre. Et vous avez décidé quand même de revenir sur l'euro, vous pouvez revenir avec une bonne première année de CPGE. Pour nous, c'est une bonne première année de CPGE, c'est une première année, enfin une terminale où vous étiez dans les conditions pratiquement de rentrer dans l'euro, et une première année CPGE où vous ne vous êtes pas écroulé. Il faut que vous soyez dans le premier quart de la promo, que vous soyez toujours en mode actif, mais vous dites, je n'ai pas envie de passer la deuxième année, papa, maman, et hop, vous partez dans le groupe. Vous pouvez faire la même chose après une deuxième année de CPGE, et là, auquel cas, vous rentrez en troisième année. Toujours sans concours. Je vous en parlerai après. Ou vous pouvez rentrer après un bon IUT. Un très bon IUT vous permettra de rentrer dans le groupe, ici aussi, et permettra de rentrer aussi, je vous le dis, pour beaucoup, beaucoup d'écoles d'ingénieurs. Beaucoup d'écoles d'ingénieurs travaillent dans la diversité et veulent avoir des classes prépa, veulent avoir des DUT pour avoir un mélange homogène et une richesse des deux entités. Alors, petite différence donc, je vous ai dit, vous pouvez garder votre passion. Vous avez plein de sections, vous voyez, danse études, image études, lumière, musique. Je peux vous parler de deux qui sont très connus, sport études. Nous avons dans le groupe INSA des sportifs de haut niveau. Donc, pour vous donner une petite info, là, vous me voyez, par exemple, avec mon directeur ou le directeur du groupe qui est là. Et là, le petit gamin qui est à côté de moi, qui fait 1m95 et 95 kg, c'est champion olympique aux Jeux olympiques de Tokyo en aviron. Étudiant que j'ai suivi, moi, personnellement,
avec ma secrétaire qui est à côté, la directrice des DROM, donc pendant 10 ans, mais qui est sportif Jeux Olympiques, médaillon. 40 étudiants, en gros, partent chaque 4 ans aux Jeux Olympiques du groupe. On a une petite idée. Donc, on sait faire et donc on a ces sections sport-études. OK ? Dans ces études, de la même façon, musique-études, vous avez en fond d'écran, là, vous avez l'orchestre de l'école qui ferait rêver pas mal de villes au niveau orchestre philharmonique. D'accord ? Ce sont pratiquement tous des professionnels, mais qui sont ingénieurs. L'ouverture aux autres, on le trouve. Ah, je pense que je savais le slide. Bon, c'est pas grave. L'ouverture aux autres, on le trouve par tout un tas de choses, en particulier par l'international. Donc, vous avez là tous les échanges qui se font. On couvre toute la planète hein, au niveau échange. Vous avez jusqu'à 125 nationalités différentes sur le groupe. Donc, vous entendez parler tout, sauf français pratiquement, dans les chaînes de restaurants. Hein. Donc, ça, c'est ouvert. C'est bien sûr une grosse richesse. Alors, vous allez vivre dans des campus. Alors, je sais que vous ne savez pas ce que c'est. Ou si vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas à 100%. Alors, un campus, c'est un espace, en gros, je le résumerai comme une petite ville dans laquelle vous avez toutes les commodités. Donc, cette petite ville, il y aura bien sûr d'abord des bibliothèques, des espaces modernes et intégrés pour travailler. Vous allez avoir tous les amphis, toutes les cours, etc. Vous allez avoir le logement sur le campus. Donc, les logements, ce sont des petites chambres. Alors, tiens, peut-être comme j'ai la vidéo, après, si j'ai quelque chose, on ira voir la vidéo, je vous en parlerai. Vous avez de quoi vous restaurer. Tous les systèmes de restauration, restauration rapide, cantine, cafétéria, etc. Vous allez avoir des équipements sportifs directement sur le campus. À Lyon, par exemple, vous avez une piscine, 25 mètres. À Toulouse, vous avez des terrains de rugby. À Lyon, il y a aussi des terrains, des équipements sportifs de très haut niveau, des salles de musculation, si vous voulez. Et vous allez avoir le samedi, le dimanche, une vie associative très intense. Ça veut dire que vous ne serez pas seul sur ce campus. C'est une petite famille que vous allez vous recréer. Il y a par exemple la scène sociale, il y a par exemple l'infirmière qui va dormir sur place. Donc, vous ne serez jamais seul. Ce n'est pas du tout un internat. Hein, donc, je vous montrerai une vidéo, vous me ferez penser, donc les collègues qui sont là, vous montrer, parce que vous avez la chance d'avoir des visites virtuelles. Voilà. Alors, tous nos étudiants de première année, on leur propose un logement. Voilà. La vie associative, qu'est-ce que c'est ? Là aussi, légèrement différent avec une classe prépa, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous couper de tout ce que vous aviez l'habitude de faire. Alors, je vais vous parler de deux thèmes, par exemple. Le jeudi après-midi, premier thème, alors il y en a 500, un thème, donc je vais pas, j'en ai mis deux ou trois là, mais il y en a 500, vous pouvez tout faire, sauf travailler, mais ça, on ne vous le conseille pas. Cette première mission qui est en bas à droite, c'est une action. Je vous ai dit que la première année, vous deviez faire un stage. Mais la première année, le stage, c'est de dire, mais je vais voir ce qui se passe au fin fond de l'Afrique pour avoir un village avec lequel je vais prendre des contacts et y mettre de l'eau, de l'électricité ou purifier l'eau. Vous allez travailler un an dessus à une dizaine d'étudiants et au bout de cette année-là, vous allez partir un mois dans ce village et reprendre tout ce que vous avez créé sur la purification de l'eau. Donc, vous allez utiliser de la chimie, vous allez utiliser du contact, vous allez utiliser tout un tas de choses et c'est ce stage-là qui sera validé. Là, par exemple, ce petit véhicule créé à 200% par les étudiants de A à Z, c'est le Déco Marathon Shell. Il y a le logo qui est, je ne sais pas, peut-être qu'on le voit là, c'est la petite coquille Saint-Jacques. Hein. Là, vous le voyez ici, de Shell. Donc, ça a été créé par les... vous voyez, c'est, je ne sais pas si c'est du vice ou pas, hein, mais ça a été créé par les pétroliers pour que les véhicules consomment le moins possible. Et ce petit véhicule que vous voyez là, qui a été créé par l'INSA Toulouse, par exemple, mais consomme un litre d'essence pour faire 3500 km. Sachant que vous avez un litre d'essence pour 20 km en gros. Hein. Si vous consommez 5 litres au 100, 1 litre au 20, et là, c'est 1 litre pour 3500 km. Voilà pour vous donner une petite idée.
Donc, ça, c'est une vie associative. On vous demande d'y travailler en gros 2 heures par semaine, mais pas plus dans un premier temps, surtout en première année. Puis, plus vous allez monter en compétences, plus vous pourrez faire de l'associatif. Voilà. Le diplôme est de plus en plus reconnu. En gros, 80% des étudiants sont recrutés en moins de 6 mois. 60% des étudiants sont recrutés même avant l'obtention du diplôme. Le salaire, on le trouve un petit peu faible, 37 000 euros de salaire moyen brut. Ce sont les sources de 2020, hein, donc, parce qu'il y a eu des, vous l'avez compris, hein, les problèmes de 2021-2022. Mais on se trouve qu'il est un petit peu faible. On travaille avec nos étudiants parce qu'ils font, bien sûr, comme toutes les écoles en gros, hein, ils font des simulations d'entretien. Et on négocie le salaire au cours du premier emploi. On a des professionnels du recrutement qui viennent chez nous et qui poussent les étudiants à se vendre beaucoup mieux. Alors, 37 000 euros, c'est moyen, mais moi, j'ai des étudiants qui touchent 5 000 euros en premier salaire, hein, qui touchent 3 fois mon salaire, hein, tout de suite. Mais bon, eh bien, ils sont meilleurs que moi, c'est tout, point. Voilà. Alors, comment on y rentre? Alors, je ne sais pas, madame, ce que vous avez comme profil. Donc, je vais, si j'ai les premières ou pas, que j'ai que des terminales en face de moi. Là, il peut y avoir des premières, des terminales. OK. Et les secondes, c'est très bien. Donc, c'est les secondes qui ont raison d'être à cette visioconférence. Hein, ce sont les étudiants de seconde, bravo. Vous êtes là, c'est vous. Je ne parle que pour vous. Je ne parle pas pour les terminales, vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est trop tard. Voilà. Donc, les secondes. Voilà nos recommandations. Elles sont ces recommandations sur le portail Parcoursup. Hein, mais je vais quand même vous les traduire. Un ingénieur, c'est un profil scientifique. Vous pouvez le tourner comme vous voulez, c'est scientifique. On vous demande d'avoir les compétences en mathématiques. Donc, la spécialité mathématique en première et terminale, pratiquement obligatoire. Je vais vous montrer quand même quelques petits bémols. En première, spécialité physique ou sciences de l'ingénieur pour la deuxième spécialité. La troisième, vous faites ce que vous voulez. Si c'est des filières artistiques, mais c'est très bien, puisqu'on cherche des profils diversifiés. Pour l'année de terminale, en plus de la spécialité mathématique, on vous demande des compétences en sciences physiques, ou numériques et sciences informatiques, ou sciences de l'ingénieur, ou sciences de vie de la Terre. D'accord ? Sciences et vie de la Terre, on en prend un tout petit peu moins. Pourquoi ? Parce qu'on a un petit peu moins de spécialité derrière. Voilà. Mais on les prend, il n'y a pas de souci. Les compétences, bonnes compétences en français et en langue, 21 et 22. Regardez ensuite les astérisques qu'il y a derrière. Nous avons des étudiants qui ont abandonné les maths en terminale. Nous regardons les dossiers de maths complémentaires, il n'y a pas de souci. Mais il faut que ce soit vous qui ayez volontairement abandonné les maths et que ce ne soit pas les maths qui vous aient abandonné. Vous m'avez compris, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes en échec en maths en première que vous allez partir en maths complémentaire. Là, vous vous intéressez un petit peu moins. Par contre, si vous avez abandonné les maths pour une autre raison, mais que vous ayez pris maths complémentaire, on va prendre de très bons dossiers maths complémentaires avec de bons dossiers maths en première. L'enseignement maths expert, que je suppose que vous faites ici, à Levavasseur, c'est très bien. Mais comme toutes les écoles ne peuvent pas le proposer, on ne le prendra pas en compte dans notre dossier de recrutement. On ne mettra pas un bonus pour ne pas défavoriser des étudiants qui ne pouvaient pas le prendre. Par contre, si vous l'avez pris, c'est très bien. Et les étudiants de seconde et de première, on vous conseille de le prendre, maths expert, il n'y a pas de souci. Pourquoi ? Parce que vous allez mieux réussir chez nous en terminale, en première année, puisque vous avez des prérequis qui ont été faits. Voilà. Mais ça ne vous servira pas pour le recrutement. Alors, ce recrutement, ça se fait sur Parcoursup. Vous avez encore 3 semaines hein, ou 15 jours pour valider. Ça vous coûte 105 euros. C'est gratuit pour les boursiers. C'est un dossier unique. La saisie des notes, je pense que c'est la direction de l'école qui le fait. Le candidat peut faire 10 vœux. Et là, par contre, nos collègues ne nous aiment pas trop parce que ça va vous compter que pour un seul vœu. Même s'il y a 7 écoles derrière, même s'il y a 7 écoles partenaires, c'est un seul vœu. Et vous avez 14 écoles qui vont vous appeler. Donc, c'est vrai que c'est c'est comme ça. Par contre, si vous faites le double cursus ingénieur Sciences Po, là, c'est un autre vœu. Là, il y a 2 vœux qu'il va falloir mettre dans la balance. Par contre, ça ne vous coûtera que 105 euros parce que nous, on examine les dossiers une seule fois. Voilà.
Donc, si vous voulez intégrer le groupe, eh bien, on vous conseille de cocher toutes les écoles. Après, c'est vous qui choisissez, bien sûr, il n'y a aucun souci. Hein, donc, c'est vous qui choisissez, qui allez choisir. Alors, cursus ingénieur, examen des dossiers. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui sont barrées parce qu'on a appris, comme vous, des choses il y a 15 jours, hein, ou il y a 3 semaines. On attendait pour vous recruter les notes du BAP et on ne les aura pas. Hein. Vous ne passez pas le BAP, donc on n'en tient pas compte. Alors, on va tenir compte de quoi? Des notes que vous avez obtenues dans les trois spécialités de première. Je pense les trois trimestres. Hein. Je vais vérifier ça, mais les trois trimestres de première. Les deux trimestres, par contre, de terminale. Donc, les notes de spécialité là-dedans. Les notes de français de première et les langues vivantes obtenues en première et terminale. Un et deux. On regarde toutes ces notes et on va les harmoniser selon les éléments disponibles dans les bulletins. Alors, ça, c'est très important et je pense que si je ne vous l'explique pas, vous n'y comprendrez rien. Alors, Parcoursup va nous donner la moyenne de l'élève, va nous donner le max de. Alors, à chaque fois, je me trompe. La Parcoursup nous donne la moyenne du groupe classe, le max du groupe classe et la note de l'élève. Donc, nous donne trois notes. Je prends l'exemple que vous n'allez pas aimer, mais je vous le prends volontairement. Je vais vous réveiller un tout petit peu. Vous avez 16. Vous êtes un bon étudiant. Mais si Parcoursup s'aperçoit que la moyenne de la classe est de 15 et demi et que le premier a 20, avec votre 16, je vais vous dire, vous êtes très près de la moyenne de la classe et votre dossier ne m'intéresse pas ou peu. Vous avez 9. Mais je m'aperçois que le premier a 9,9 et que la moyenne de la classe est de 2. Donc, je vais vous dire, votre dossier m'intéresse. Vous êtes très près de bien classé. Donc, ce n'est pas la note qui va m'intéresser, c'est comment vous allez vous situer au sein de du groupe classe dans lequel vous êtes. Ceci, moi, je suis enseignant. Je sais très bien qu'il y a des enseignants qui vont noter sec, d'autres qui vont noter large. Et ça, je ne peux pas vous mettre en défaut si votre enseignant vous note sec. Mais par contre, je vais vous prendre en compte. Combien vous vous situez dans la classe? Alors, en plus de ça, je vais répondre tout de suite aux questions, comme ça, j'en aurai pas. Non, je rigole. Le rang de l'élève et l'effectif du groupe classe en année de terminale va être pris en compte aussi cette année, parce que Parcoursup s'est engagé à me donner le rang de l'élève. C'est-à-dire que si vous êtes dans une classe où il y a un extraterrestre, qui est toujours à 20, et si vous êtes second avec votre 16 et que la moyenne de la classe est à 14, mais moi je vais tenir compte que vous êtes second. Parce que je sens qu'il y a un extraterrestre. OK? Et donc, je vais vous remonter dans le classement. Sinon, je vous écraserai. Vous voyez l'idée? Voilà. Donc, une fois que j'ai trié tous les étudiants d'une façon unique, quelle que soit la spécialité, mais je vais avoir ce classement qui va me permettre de définir les admissibles convoqués. Ces admissibles convoqués, alors je vous donne les grands chiffres, 20 000, quelque chose qui est beaucoup plus, mais 20 000, vous allez me dire dossiers. 10 000, ce sont des dossiers, on va dire, normaux. 10 000 qui vont être écartés tout de suite parce que c'est des dossiers qui sont, qui n'ont pas écouté cette conférence, c'est des dossiers de boursiers qui sont gratuits. Je termine. J'avais 20 000 dossiers, 10 000 qui ne sont pas du tout dans le style, on va dire. Il m'en reste 10 000 et là, je vais en prendre 5 000 à qui je vais dire, venez nous voir, on va s'entretenir ensemble. Cet entretien se fera à distance pour les étudiants de Drôme. On a trop de risques que le Covid reparte, etc. On ne sera pas en capacité d'organiser. Donc, on a décidé de le faire à distance, comme vous avez décidé aujourd'hui. Hein? Vous nous comprenez. Les étudiants de Drôme seront en entretien à distance, en Zoom. Ça se passe très, très bien. Si vous voulez leur faire un test, vous pouvez leur faire un test. Mais ça s'est très, très bien passé. Il n'y a pas besoin d'entraînement. Ils ont l'habitude, ils font des visios même avec leur téléphone portable, ça se passe très bien. Par contre, ce seront des locaux qui vont les interviewer. Et moi, je serai peut-être là,
où je serai à distance, mais ce seront des études, des ingénieurs locaux et des psys, des profs locaux qui feront cet entretien. Ne rien préparer, ne pas s'inventer de vie et répondre honnêtement aux questions. N'essayez pas de vous trouver un stage que vous avez fait au fin fond de la brousse pour vous dire que vous êtes le meilleur à main. Hein. Non, soyez honnête, clair, et tout se passera très bien. Après ces deux classements, donc on a une information sur vous sur le dossier scolaire, on a une information sur vous au niveau entretien, et bien on fait un nouveau classement. Et à partir de là, chaque école va vous appeler. Si vous les avez demandé, elle vous appelle. Si vous n'avez rien demandé, elle ne vous appellera pas. Voilà comment ça se passe. Ça marche, hein ? Je vais couper tout de suite la rumeur à bon, ce qui se dit. Si vous n'êtes pas convoqué à l'entretien, vous n'aurez pas le groupe. C'est ce qu'on entend très souvent. Ce n'est pas vrai. C'est vrai, pas vrai. C'est vrai dans le sens où il y a des écoles qui sont très demandées, comme Lyon, et il faut être quand même globalement dans les 5000 premiers pour avoir Lyon. Par contre, il y a des très, très belles écoles derrière qui appelleront jusqu'au 8000e. Donc, vous pourrez rentrer dans des belles écoles, mais en étant 5001e. Voilà. Voilà les places qui vous sont données. Vous voyez, il y a 2000 places à peu près. Hein. Si vous faites la comptabilité de tout ça, il y a 2000 places pour 20 000, hein, 2100 places. Voilà. OK, pour ça, donc double cursus, ça ne change pas beaucoup, si ce n'est que c'est Rennes et Toulouse qui appellent, ça n'est pas ailleurs. Et là, en plus de ça, on va chercher des étudiants encore plus complets, on va chercher l'histoire géo et la philo. Donc, des étudiants encore plus ouverts sur le monde qui nous entoure. Et l'entretien de valorisation se fera devant, par contre, un enseignant de Sciences Po. Voilà. D'accord, vous avez compris pour ça, c'est très demandé, hein. Très bien, mais très demandé aussi. Donc, ça, je n'en parle pas. Vous voyez que ça va aller vite, c'est pratiquement terminé. Ça, deuxième année, je n'en parle pas. Troisième année, je n'en parle pas. Je vais arriver ici. Voilà. Ces stats, vous les avez, hein. Je vous montrerai où elles sont. Donc, relativement difficile de rentrer dans le groupe, on le sait. Plus facile que de rentrer en classe prépa, hein. Plus difficile, je veux dire. 11%. Alors, ce chiffre est vrai et faux, parce qu'il est relatif à 20 000 dossiers, 21 000. Mais il y en a 10 000 quand même qui ne sont pas extraordinaires. Voilà, donc. Mais voilà, quand même, c'est dur. On le sait pertinemment. Regardez Sciences Po, ça a été ouvert il y a un an. 2 000 dossiers déjà. 1 100 dossiers et 6% d'admis. Déjà plus sélectif que l'autre. OK, voilà. En deuxième année, 20% d'admis après une CPGE. Vous voyez, 23,8. Donc, ce n'est pas neutre. Et enfin, en troisième année, hors CPGE, vous avez 27% d'admis, donc après une très, très bonne IUT. Alors, sur les IUT, simplement un petit mot, je vous le montrerai sur les plaquettes. Vous avez l'intitulé exact de l'IUT qui vous permettra de rentrer dans un département de spécialité. Donc, il faut prendre des IUT, on va dire, généralistes, avec pas mal d'étudiants derrière. Je termine avec la convention diversité. Alors, elle est très, très bien, cette convention. C'est le département, et maintenant qui est la région, qui nous a contactés il y a une dizaine d'années pour nous dire, venez nous voir. Hein, ce sont des missions qui sont payées par la région, dont vous bénéficiez. Hein, dans un premier temps, ce n'était pas pour venir à Levasseur, mais nous, on joue complètement le rôle de la région. Et on doit vous aider à lutter contre cette autocensure et favoriser les motivations des lycéens pour les études supérieures. Soutenir vos ambitions, apporter des connaissances, susciter des candidatures, vous voyez, pour les filières scientifiques, et surtout, nous, après, créer les conditions de réussite dans les filières d'excellence. Et là, par contre, comme on vous connaît très bien, on sait très bien comment vous réagissez lorsque le soleil va tomber, lorsque les feuilles vont tomber des arbres, ça va être un petit peu la panique. Lorsque vous allez prendre quelques notes un petit peu plus faibles que d'habitude, lorsque la température. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire un accueil spécifique sur Lyon, par exemple. On va vous faire venir gratuitement à Lyon, 15 jours avant ou 10 jours avant, pour vous aider à vous intégrer le mieux possible, pour préparer cette pré-rentrée, pour rentrer dans un nouveau monde qui va vous entourer,
Et donc, on va vous faciliter l'intégration et découvrir ce nouvel environnement, découvrir cette nouvelle ville, découvrir cette nouvelle culture, parce que ce sont des cultures légèrement différentes. On va vous proposer d'avoir un mentorat ingénieur, d'avoir un parrainage élève, d'être dans une nouvelle famille, d'avoir un tuteur enseignant. C'est ma collègue et moi-même, par exemple, qui sommes tuteurs des étudiants de La Réunion. Vous proposer un soutien scolaire et travailler avec des médiations, donc avec les équipes pédagogiques. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul, parachuté dans ces petites villes qui sont les campus. Voilà. Les frais de scolarité sont les plus faibles, comme si vous étiez en classe prépa ou à l'université, c'est 600 euros. Il y a une petite vie contribution étudiante à Lyon pour vous donner du matériel de photocopieur en libre-service, etc., de 90 euros. Ça, c'est par an. Et on a estimé un coût de vie de l'étudiant, s'il vit normalement sur un campus, à 750 euros. Si vous enlevez les aides au logement, qui sont de 200 euros, les APL, elles ne sont pas indexées sur la profession des parents. Donc, tous les enfants les touchent pour le moment, et c'est 750 euros moins 200 euros. En gros, c'est 500 euros pour vivre en France. Interdiction formelle pour nos étudiants de nous dire « j'ai été obligé de travailler à l'extérieur pour me payer les études ». On a tout à notre disposition. Donc, vous voyez, il y a un tas de bourses derrière. Alors, pour en savoir plus, même si j'ai Internet, je pourrais vous le montrer en direct, mais si vous allez sur le groupe INSA, vous avez accès directement à toutes les plaquettes et à toutes les informations que je vous ai données. Donc, ce n'est même pas la peine d'enregistrer ou de voir cette information-là. Vous l'aurez sur toutes les plaquettes. Alors, les plaquettes que je vous les montre les plus intéressantes, c'est l'admission groupe, là où j'ai sorti tous les chiffres. L'admission troisième année, qui est intéressante, où vous allez avoir l'évolution entre les IUT et les départements. Et puis ensuite, les spécificités double diplôme ingénieur architecte, le double diplôme aussi avec Sciences Po, etc., etc. Si vous le voulez, vous présentez la vidéo. Ouais, c'est facile. Est-ce qu'il y a des questions? Si déjà vous pouvez les poser sur le chat, je vais peut-être le regarder. Le chat. Attends, je n'ai pas vu la souris. Ouais, je l'ai vu là-haut, mais c'est quand je la vois ici, elle est sur le mur. Ça y est, je l'ai. J'arrête là. Je regarde si le chat, il n'y a pas grand-chose encore. Donc vous pouvez écrire sur le. Pour les journées, pour la semaine de pré-rentrée, si vous bénéficiez de la journée, comment on appelle ça, ce que je vous ai dit, de la convention d'université, on va dire que c'est la dernière semaine du mois d'août. Bon. On évite le 15 août, c'est vers le 20, 22 août ou 25 août. Voilà. Une semaine avant la rentrée. Ouais. Oui, je vais regarder les autres questions. Vous me dites si j'ai répondu à peu près. Il y a Lucille. Donc, oui, merci. Mon fils est en première. Il compte choisir maths et NSI, mais c'est très bien. En terminale, est-ce qu'en première de prépa… Alors, il n'y a pas de prépa. Hein. Je vous ai dit que c'est une préparation intégrée. C'est une première année de l'INSA. D'accord, le programme physique-chimie sera adapté pour ceux qui n'ont pas suivi physique-chimie en terminale. N'ayez pas trop peur de ça, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants, il y a peut-être ma collègue qui pourra répondre par personne interposée, mais en gros, ne vous inquiétez pas, puisqu'il y aura des étudiants qui auront fait NSI, qui n'auront pas fait PC. Tout le monde n'aura pas fait physique-chimie. Donc, il y aura des remises à niveau. Bien sûr, si on fait physique-chimie, ils suivront un petit peu mieux en physique-chimie et un petit peu moins en NSI, et ainsi de suite. Mais il y aura une population relativement homogène, donc ne prenez pas… il faut que l'étudiant se sente bien sur ses enseignements. Couper le micro, non, je n'ai pas coupé mon micro. Oui, j'avais coupé mon micro avant, mais là, je ne l'ai pas coupé. À un moment, vous avez dit que le coût était de 105 euros. Je ne sais pas quel est le coût de quoi. Je vous reprends. Il y a deux coûts qui ont été proposés. Il y a le coût de l'inscription. C'est donc le dossier que je dois instruire cette année.
Alors, ça prend ce coût-là, j'en charge quoi? Mais tous les, d'abord, l'entretien que l'on va faire passer à votre étudiant, à votre élève, pardon, ou à votre enfant. Ça va prendre le coût de tous les séminaires que l'on fait à droite et à gauche, de tous les salons, etc., etc. C'est ce coût-là, 105 euros. Une fois que vous avez, c'est gratuit pour les boursiers, hein, par contre. Et ensuite, c'est le deuxième chiffre de 600 euros, c'est les frais d'inscription. C'est les frais d'inscription pour l'année que vous allez passer soit en classe prépa, soit dans une IUT, soit au lycée. Et enfin, les 500 euros que je vous ai donnés comme chiffre, les derniers, c'est le coût de la vie, puisque votre enfant, vous l'avez laissé dans une nouvelle famille qui est la nôtre, hein, qui est le groupe INSA. Eh bien, il faut qu'il vive et qu'il mange sur place, et ça coûte à peu près 500, on a chiffré ça, à peu près 500 euros. Est-ce que j'ai été assez clair? Je regarde d'autres. Donc, vous parlez de 500 euros, ce qui concerne tout le logement plus la restauration. Exactement. La blanchisserie, les coûts de transport, mais c'est très très limité puisque on conseille à tous nos étudiants de première année hein, de vivre sur le campus. Là, dans le cadre de la convention université, c'est un très 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 gros plus de vivre sur le campus. Alors, je vous dis aussi, puisque bon, on tourne dans d'autres lycées qui sont peut-être un petit peu moins favorisés que le Vavasseur, mais rien ne vous empêche de prendre un INSA où vous avez de la famille. Ça peut être un choix aussi. Vous dites, bon, il est un petit peu moins coté, mais il y a de la famille, on y va. Mais surtout, ne vivez pas dans cette famille-là. Vivez sur le campus et allez le dimanche, peut-être effectivement, aller remanger un petit peu local. Mais n'essayez pas de vivre dans la famille, que ça va vous coûter moins cher, vous partez à la catastrophe. J'ai quatre nouveaux messages, donc je vais essayer de les retrouver. Hop, voilà. Peut-on passer de l'INSA à un autre? On est passé, les INSA. Ça veut dire qu'on s'est engagé, par exemple, les premières années, à faire les mêmes enseignements. Donc, étant passé, on se connaît très très bien. Vous pouvez passer de l'INSA à l'autre, mais il ne faut pas jouer au loto. Hein, le loto, ça se joue le samedi, mais pas, vous ne pouvez pas jouer au loto ici. C'est-à-dire que n'allez pas sur l'INSA au Centre-Val de Loire parce qu'il est moins demandé, vous avez plus de chances d'y rentrer, en se disant, je vais rentrer à Lyon l'année d'après. Vous ne rentrerez à Lyon que, déjà, si le projet professionnel que vous avez n'est pas possible à l'INSA Centre-Val de Loire. Et ensuite, vous êtes très très bien classé à l'INSA Centre-Val de Loire. Et ensuite, que l'INSA Lyon puisse vous accueillir, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas beaucoup de demandes dans ce département spécial, que vous ne pouvez pas gérer en temps réel. Et donc, voilà. Alors après, ne vous posez pas 36 000 questions. Moi, j'ai des étudiants à Toulouse qui habitent à 250 mètres de l'INSA de Toulouse et qui sont admis à Rennes. Donc, ils ne comprennent pas. Les parents nous agressent, vraiment, ils nous agressent, ils disent que ce n'est pas normal. Mais oui, mais bon, c'est comme ça. Et en gros, 15 jours après, tout est réglé parce que l'étudiant, il dit, mais moi, je suis très, très bien à Rennes. J'ai trouvé ma famille, j'ai trouvé mes nouveaux copains, ma nouvelle copine. Je suis un petit peu loin des parents, entre guillemets, et tout se passe très bien. Voilà. Donc, c'est la formation, on va dire, le projet professionnel qui va faire. Ensuite, j'ai une question de Lucie, celui de Parcoursup. Je ne sais pas, dites-moi les parents là, qui sont là, ce que ça veut dire. Parce que j'ai une question sur celui de Parcoursup. Bonjour monsieur, auriez-vous quelques exemples de débouchés professionnels post-INSA selon les spécialités disponibles? Alors là, si je peux vous dire, on a eu jusqu'à un président de la République. Donc, les débouchés, c'est vous qui allez vous les faire. Hein, donc, les débouchés, il y a de tout. Il y a de tout, de tout, de tout. C'est de l'ingénieur qui va travailler dans un grand groupe et qui va être un technicien, comme ça va être maintenant des ingénieurs qui vont créer leur propre entreprise à l'intérieur de l'école. C'est-à-dire que déjà en quatrième année, on a des filières d'innovation et donc l'ingénieur va créer sa propre entreprise, va déposer ses propres brevets avant d'avoir son diplôme. Donc les débouchés sont immenses. Donc, sur la route du littoral, je peux vous dire qu'il y avait peut-être 50 ingénieurs du groupe qui travaillaient là-dedans, jusqu'au politicien qui a fait une somme et qui a dévié sur autre chose. Voilà, c'est immense, immense. Alors, selon les disponibilités, alors regardez, je vais vous répondre à votre question. Selon les spécialités disponibles,
je vais reprendre ma route du littoral. Vous connaissez. Il y a bien sûr des spécialités génie civil qui vont s'occuper de la construction, génie méca qui ont construit les barges, génie informatique qui ont fait toutes les simulations de calcul, de tenue au vent, etc. Génie chimique qui ont travaillé sur la corrosion, génie environnement qui ont travaillé sur les poissons et les rejets des colorants qui ont été mis ou des tenues qui ont été mis pour l'agressivité au niveau des sels marins. Des mathématiciens qui ont travaillé sur la simulation au niveau de l'impact du poids de la pile sur la fondation. Des réseaux télécoms qui ont travaillé sur les positionnements des piles en 3D au niveau de la pose des piles sur la mer. Donc, vous voyez, toutes les spécialités sont présentes et vont travailler sur le même domaine. Est-ce que j'ai répondu? Dites-moi si j'ai répondu aux questions. 105 euros pour l'inscription, 650 euros pour les frais d'inscription, 500 euros pour la vie, c'est ça. C'est en gros, c'est ça. Oui. Vous avez tout à fait compris. Jusqu'à quelle heure les élèves peuvent utiliser les salles équipées pour travailler en dehors des cours? Alors, on y va. Nos étudiants sont libres à 100%. Ce n'est pas un internat. Donc, ils vont faire leur propre vie. Les locaux sont, les chambres sont ouvertes, bien sûr, H24 et 7 jours sur 7. Ils peuvent rentrer. Ils ont accès à toutes les salles de travail qu'il y a dans les résidences. Je pourrais vous les montrer tout à l'heure. Hein. Vous avez, j'ai partagé l'écran ou pas encore. Je vais vous en montrer. Mais ensuite, la bibliothèque, par exemple, je ne sais pas si ça se fait à Lyon, mais je pense que oui. La bibliothèque sur Toulouse est ouverte, par exemple, on va dire, de 8h du matin à 20h le soir. Voilà. Mais il y a des temps qui sont un petit peu plus chauds de temps en temps, en particulier les fins de semestre, où ça travaille un petit peu plus, parce que je vous ai dit qu'il y avait un contrôle continu. La bibliothèque va être ouverte jusqu'à minuit. Mais si elle est ouverte jusqu'à minuit, ce n'est pas notre personnel administratif qui va le faire, mais ce sont les étudiants eux-mêmes qui vont ouvrir la bibliothèque de 20h à 24h. Et ils seront payés pour ça. Et c'est ce qu'on appelle des petits jobs. Et ça veut dire que c'est des étudiants qui sont en situation un petit peu difficile au niveau financement, mais qui disent, eh bien, je m'engage à travailler là-dessus. Donc, petite formation au logiciel pour prêter les livres, et puis ensuite, ça travaille. Donc, il y a accès le samedi à des bibliothèques universitaires à côté. Je pense qu'à Lyon, c'est exactement la même chose. Il y a des ouvertures. Je peux vous dire que tous les salles sont ouvertes en permanence. Elles sont badgées. On sait qui c'est qu'il y a dedans, mais vous travaillez là-dessus. Alors, au niveau travail, puisque vous posez la question, on demande en gros à nos étudiants de suivre les cours, c'est 30 heures par semaine à peu près, hein, comme une classe prépa à peu près. Hein. Il n'y a pas de colle. Là, c'est une grosse différence, le samedi matin est libre. Et on leur demande de travailler en gros 2 heures chaque soir, 2 heures, 2h30 chaque soir, parce que c'est quand même fatigant. De travailler 4 à 5 heures le samedi, 4 à 5 heures le dimanche. Hein, voilà. Le jeudi après-midi est libre, mais ils vont faire du sport, beaucoup d'associatifs. La première année, un petit peu moins, mais on leur demande d'aller faire du sport, de s'oxygéner 2 heures par semaine de plus que les 2 heures de cours. Par contre, de travailler encore 2 heures le soir. C'est un travail régulier parce que c'est un contrôle continu, mais il n'y a pas de concours. Voilà. Il n'y a pas ce couperet du concours. Est-ce que j'ai d'autres questions? Non, ça se sature, mais c'est bien. Alors, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, mais vous poserez d'autres questions, je vais vous montrer. Tout ça, c'est sur Internet. Donc, je vais vous montrer où est-ce qu'on peut aller sur Internet. Donc, je repartage l'écran. C'est l'écran 2 que je partage, c'est ça? Voilà. Je vais être bien formé, en fait. Ah, il y a une nouvelle question qui arrive. Bon, je la verrai après. Hein. Donc, sur ça, je suis allé sur Internet. Vous avez les mots-clés, là. Hein. Visite virtuelle. Vous faites INSA Toulouse ou INSA Lyon. Et vous allez pouvoir vous balader sur tout le site, ici. Hein. Donc, ça vous donner pas mal d'idées. Vous avez la vue aérienne d'un campus. Hein, regardez, voilà ce qu'est un campus donc, en métropole. Donc, le campus de Lyon est beaucoup plus grand encore. C'est une petite ville de 10 000 habitants à Lyon. 3 stations de tramway hein, pour y arriver. Donc là, vous avez tous les départements de spécialité. Hein, vous y passez, le génie physique. Là, le bâtiment des amphis, c'est là où il y a, on va dire, le premier cycle, hein, les 2 premières années. Ça, c'est donc automatique électronique. Vous voyez ici l'accueil, là, la restauration, ici, avec la bibliothèque.
ici les terrains de sport, le gymnase, et derrière, tout de suite, les logements. Donc, il y a des records du monde qui se créent, du type réveil sonné à 8h moins 3 et je suis présent à mon amphi à 8h01. Donc, ça, vous pouvez le voir sur Internet si ça vous amuse. D'accord? Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est qu'une chambre pour vous montrer que la différence avec un hébergement. Donc, vous allez dans l'hébergement, vous faites Promologie, par exemple, et vous avez une chambre d'étudiante. Hein, je prends une chambre d'étudiante là. Donc, c'est une petite chambre d'hôtel. Donc, vous avez un petit coin WC et donc ici salle de travail. Donc, bien éclairé quand même, avec accès à de la végétation, un beau plan de travail pour travailler. Donc, un lit confortable et une petite kitchenette pour cuisiner. Donc, vous voyez, c'est des choses, des petites chambres de 20-25 mètres carrés, mais qui sont quand même tout à fait correctes. Vous pouvez aller visiter. Par exemple, la bibliothèque. Donc, la bibliothèque, c'est quand même des grands ensembles ici, où vous avez, par exemple, à l'entrée, mais là, maintenant, un étudiant qui va badger, sur lesquels vous allez badger. Donc, vous pouvez réserver dans cette bibliothèque, ici, des petites salles, donc jusqu'à 24 heures, si vous voulez, lorsque la bibliothèque est ouverte, qui sont réservées sur votre téléphone portable. Hein, vous avez accès à des petites salles de travail comme ça, avec un visioprojecteur, avec un tableau, un vinyle, avec une petite table pour préparer vos TP, préparer vos projets, préparer vos contrôles continus à deux, à trois, etc. pour travailler. Hein. Vous pouvez aller faire du sport. Donc, je vais aller maintenant. Où est-ce que je vais aller? Je ne sais pas. Dites-moi si vous voyez quelque chose qui ressemble à du sport. CSH, BAPS, ici. Donc, voilà le centre des APS. Vous rentrez dans le gymnase ou je rentre bon, dans la salle de musculation, vous avez bien sûr des salles à votre disposition qui sont ouvertes aussi très souvent tardivement. Donc, réservées à des heures bien précises par les sportifs de haut niveau. Mais souvent, ces sportifs de haut niveau, c'est de 5h à 7h du matin hein, qui font leur musculation, leur réchauffement. Parce que si tu as 8h, ils sont en cours. Donc, moi, je forme des sportifs de haut niveau depuis très longtemps et je ne me choque pas si à 9h, je sens que ça commence à tomber parce que le mec, il a fait 10 km dans la Garonne en natation, hein, donc avant 6 heures. Donc voilà. Voilà, ça vous donne une petite idée d'une vie dans le département. Alors là, vous avez la journée porte ouverte. Et là, je vous ai mis le logo. Vous savez, si vous allez sur Groupe INSA, je vous ai dit. Hein, donc, je fais Groupe INSA. Comment candidater? Vous voyez, j'ai fait que Groupe INSA sur Google, sur n'importe où, sur Google. Bon, pas le nom, mais je vais faire un petit peu de publicité. Hein. Mais vous avez nos écoles, comment candidater. Alors, je vais faire plaquette. Est-ce que vous le voyez, plaquette? Donc, je vais faire Groupe INSA, là, plaquette. Est-ce que vous les voyez? Oui. Voilà. Donc, documentation Groupe INSA. Et là, vous allez avoir tous les transparents que je vous ai montrés. Donc, ce n'est même pas la peine pratiquement de suivre. Et vous allez comprendre. Vous voyez, admission Groupe INSA. Mais vous allez faire, mais commander ou feuilleter. Moi, je vais feuilleter, si vous voulez, parce que je ne vais pas le commander. Je vais... Donc, vous avez la plaquette qui va se dérouler. Vous, oui, je vais mettre un peu de oui. Et donc, vous avez la plaquette devant vous, qui est déroulée, ici. Et si vous faites, vous voyez le zoom que je vous ai montré là. Alors, je vais zoomer celle-là, par exemple, qui est intéressante. Je n'ai pas eu le temps de vous en parler. Plus l'INSA est gros. D'accord? Plus il y a de spécialités derrière. Donc, je vais prendre le plus gros, c'est Lyon. Donc, plus vous allez avoir de spécialités derrière. Vous voyez, biosciences, génie civil, génie électrique, génie énergétique, génie industriel, génie mécanique, informatique. Plus il est demandé, et plus c'est dur d'y rentrer. C'est naturel. Là maintenant, je vais prendre le plus petit, Centre-Val de Loire, il est à côté. Et je peux vous dire tout de suite que l'ingénieur qui va sortir de Centre-Val de Loire, il est moins demandé, c'est plus facile. Par contre, ben, vous n'avez que des informatiques, un petit peu. Vous allez avoir que énergie, risque environnement, génie des systèmes industriels, maîtrise des risques industriels, sécurité, technologie informatique, énergie renouvelable. Vous ne pourrez pas faire de la bio derrière. Mais si ça vous intéresse, je peux vous dire tout de suite que l'ingénieur sécurité et technologie informatique, son bulletin de salaire sera 10 fois plus gros que le bulletin de salaire de l'INSA Lyon qui est plus demandé en génie mécanique. Vous voyez? Donc,
c'est un choix, c'est vous qui choisissez. Nous, on vous offre tout ce panel-là et vous faites comme vous voulez. Voilà. Alors, j'ai deux discussions en cours. Je vais essayer. Alors, ça, vous avez dans toutes ces documentations. Hein, je reviens là-dessus. Vous avez intéressante la documentation DROM, département et région d'outre-mer, où vous avez accès à la possibilité, enfin, vous avez la possibilité de demander de bénéficier de cette aide, ici. Vous avez le double diplôme INSA Sciences Po, là, il n'est plus ici. Si vous êtes architecte, tellement plus, si vous voulez feuilleter, allez-y. L'admission de troisième année, je vous en ai parlé, vous voyez pourquoi ? Parce qu'il y a ces fameuses plaquettes derrière où vous avez comment et voilà, ces choses-là. Alors, ça, c'est BTS, non, surtout ne faites pas. Mais voilà, IUT. Donc, liste des IUT autorisée à candidater en troisième année. Si je prends celui-là, par exemple, si vous avez un DUT génie chimique, génie des procédés, vous pourrez candidater à Lyon si ça vous intéresse au département de biosciences. Comme à Lyon, au département génie énergétique et environnement. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça peut vous aider aussi à faire votre dossier de candidature hors système. Voilà. Donc, je vais essayer de relire si j'ai moins. Oui, ça y est, je commence à suivre. Que différencie la filière internationale à la filière classique, s'il vous plaît ? Pas grand-chose. C'est une volonté de votre part de mettre votre enfant ou vous-même dans un milieu international le plus vite possible. Ben, je ne sais pas si je peux dire que ça apporte grand-chose. Pourquoi ? Parce que... Oui, voilà, c'est un petit plus dans le diplôme. Alors, exactement. Enfin, ma collègue dit qu'ils sont en classe avec des étudiants étrangers directement. Alors, je vais vous parler de... C'est une volonté de votre part si vous voulez vraiment aller dans l'international. Alors, je vais dire, par exemple, je vais prendre le groupe ASINSA. ASINSA, c'est une filière internationale qui est à Lyon et à Toulouse, où là, vous allez être confronté tout de suite au milieu asiatique et qu'au milieu asiatique. Et vous vous engagez, par contre, à aller faire votre stage de fin de première année directement en Asie. Mais si vous voulez faire une filière internationale, c'est là peut-être que je me suis mal exprimé, pour apprendre l'anglais, je dis bof, parce que vous allez apprendre l'anglais quoi qu'il arrive. Il va falloir un niveau B2 pour avoir le diplôme d'ingénieur. Si vous voulez être confronté, par exemple, au milieu germanique, effectivement, allez dans la filière Deutsch-INSA qui est à Strasbourg. Mais c'est vraiment très spécifique. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Mais bon, c'est pas, on va dire, c'est pas, voilà, c'est comme c'est vous qui allez le voir. Quelle heure il est là ? 4 heures. Eh oui, ça passe vite. Hein. Ça passe très très vite. Donc, vous me dites. S'il y a une dernière question, je veux bien la prendre. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il faut payer pour s'inscrire sur Parcoursup ? Et si oui, quel ou oui, ça a été dit, c'est 105 euros donc pour l'inscription pour toutes les écoles. Hein, c'est-à-dire que si vous ouvrez le portail Parcoursup et que vous ouvriez le logo Groupe INSA, vous aurez accès à 7 écoles et à 7 écoles partenaires. Ça vous coûtera 105 euros, sauf si vous êtes boursier de l'enseignement secondaire, auquel cas c'est gratuit. Alors, quelle est la répartition des 32 semaines de stage ? D'abord, je vous félicite d'avoir vu qu'il y avait 32 semaines de stage. Vous me posez une colle ? Non, je... Alors, je vais vous dire, il y a au moins 4 semaines de stage la première année sur toutes nos écoles. Et il y a au moins un semestre de stage en cinquième année. Le dernier semestre de stage, le dernier semestre qui se fait chez nous, se fait en stage. Pourquoi ? En gros, c'est l'entreprise qui a besoin d'un poste, eh bien, il embauche un stagiaire. Et si le stagiaire lui fait affaire, eh bien, il est embauché. Et après, il reste 4 semaines ou 8 semaines de stage qui se font soit en troisième année, soit en quatrième année. Voilà. C'est une répartition qui se fait tout au long du cursus et qui commence, à la différence d'une prépa, qui commence dès la première année. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On commence à saturer, je pense.
Écoutez, je vais redonner peut-être la parole à l'organisatrice que je remercie, hein, donc, de vous avoir présenté ce groupe. On est très heureux, nous, de travailler donc, dans ce groupe-là parce qu'il y a de fortes valeurs. Bon, on est à votre disposition par l'intermédiaire de l'organisatrice. Il y a vraiment des questions très spécifiques. Mais je pense honnêtement, vraiment, tout ce que vous avez donné et avec les vidéos qu'on vous a montrées, que vous aurez déjà pas mal de choses. Une dernière question ? Y a-t-il ? Qui pose leur question sur la messagerie de l'augmentation. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne soirée. Pardon. Nous, la journée commence. Merci à tous pour avoir posé quelques questions. Alors, n'hésitez pas, même si vous en avez d'autres, à les poser via la commission orientation. Vous pouvez nous envoyer vos questions, on essaiera de les répondre, en tout cas de donner les questions à M. Boyer et Mme Besky qui voulaient peut-être rajouter quelque chose. Bon, voilà. Merci en tout cas. Bonne soirée.